Un dimanche matin, j'ai décidé à le visiter en l'église. Et puis, l'homme arrivé l'église là. Pour y avoir dit bonjour, c'était une génératrice qui te dit bienvenue. Côté que son rythme dans l'église là, génératrice était tellement affaibli, génératrice était presque plus fort passer son qui était dans l'église là. Et puis moi a observé, m'a réfléchi, pardon. Moi dit jusqu'il est problème son à résoudre dans l'église là. Jusqu'il est l'arrivé dans assemblée quelconque ou abjoint un son qui plus ou moins respecte les normes yo, qui pas dérangé ou dans aucun sens, côté toute bagaille bien organisé pour permettre que culte là pardon li déroulé normalement sans rien pas déranger. Problème son dans l'église, c'est un gros problème. M'pa konnen ou même qui a regardé ti vidéo ça, est-ce que dans l'église côté que on persévérer ou estimer que il y a un bon système de son qui disponible côté instrument yo bien mixé, voix yo bien mixé et l'heure que culte l'a déroulé pagon cab qui a fond grave. Vous comprenez ça me le dit, pas gagne un cab qui a dérangé atmosphère là, pas gagne un bruit qui a dérangé atmosphère là. Par contre dans l'église côté persévérer, est-ce que gros problème comme ça qui posé? Mais moi crois que problème son dans l'église, c'est un gros problème, c'est un grave problème. Et c'est un problème que nous supposé poser, c'est un problème que nous supposé pencher sur lui. Problème son en dedans l'église. Certaines fois, on a une assemblée qui focus sur édifice là. Le focus sur édifice là côté que dans l'église ça yo construit un gros caï, yo construit un gros tabernacle. Et puis yo mettait en série de structures, mettait céramique pardon, yo mettait tout un tas de bagaille pour faire kay la belle. Mais malgré tout confort, tout ça que yo mettait dans kay la, mais regardez ça qui en dedans comme son, ou même qui en dedans, ou pas même capable de faire tendre qui ça qui a fait en dedans. Donc, moi, je crois que c'est un problème qui est extrêmement grave et que nous supposons penser sur lui. Donc, avant même que vous contentez pour faire une belle caille, en plus, nous focus tout le budget sur l'église là. C'est l'église là en construction, même si c'est pas parlé. Tout le budget, vous focus sur la construction. Et ça qui concerne son, pas gen rien qui fait pour lui. Donc moi songe, moi fait expérience plusieurs fois côté que dans l'église côté persévérer, moi c'est un nan moun qui nan question son pour au niveau en l'autre qui impliqué dans question son, parce que nous nan musique, nous fait musique, nous impliqué dans question sonorisation. Moi songe une expérience que m'ai fait bah j'ai oublié et expérience ça était servi mais on pas quête leçon. Le monteur à l'église là était à confronté avec un grand problème sonorisation. Donc tout ça qui était fait pas de jamais gagner en rien qui était fait comme intervention problème n'était résoudre et gon bagage que m'était fait que m'pas j'ai oublié. Ça m'était fait, moi t'ai réuni des monde
moi t'ai adressé yo pour me dire que moi-même personnellement j'ai un problème. Moi t'ai dit que moi-même personnellement j'ai un problème et c'est un problème qui grave et moi besoin bon un bon petit cop pour me résoudre le problème. Donc c'est sûr que quand regarde cette vidéo qu'a dit son mensonge dans certain sens que moi t'ai bail. Mais c'est un problème que moi-même moi t'ai gagné, peut-être que tout l'autre monde est capable de sentir que tu es confortable avec ça qui t'ai gagné comme son l'église là, mais moi-même moi pas confortable, c'était un problème que me t'ai gagné, moi t'ai prendre comme un problème que me t'ai gagné de manière personnelle. D'accord. Donc et là moi t'ai adressé mon yo, moi t'ai mandé, moi t'ai fait demande avec yo pour ban aide, pour ban support face avec problème ça. Et moi t'ai dit le problème n'a fini résoudre, m'a dit yo qui problème que me t'ai gagné. Et puis c'était une belle expérience. Expérience ça t'ai fait moi découvrir tout si me t'ai gagné un problème peut-être pas réellement vraiment qui est-ce que me t'ai ca adresser. Parce que gagne de monde malgré moi t'ai expliqué ça, de monde que moi t'ai pensé qui t'a capable ban moi support, mais qui pas vraiment fait cas de ça que moi t'ai dit à. Et gagne monde tout qui t'ai dit à bail support jusqu'à jeudi là, bah qui gagne plus que 10 ans passé. OK, bah il gagne plus que 10 ans passé jusqu'à jeudi là, mon za homme bah j'aime ouais côté support t'a bail. Donc l'homme te a problème son qui ça me fait me adresser demande là comme moi qui t'ai un problème et me demander support dans qui but dans but pour nous acheter quelques speakers pour l'église là, quelques haut-parleurs pour nous acheter pour l'église là. Et me joindre quelques grand monde qui te répondent et leur te fin répondre, moi te déplacer, me te prendre mon avec moi nous déplacer, nous au moins t'as acheté deux speakers pour l'église là. Et l'homme de fin acheté, on te dit, oh voilà, mes problèmes que m'te gagné, mes demandes que m'te fait nous, mais qui quantité cob que moi t'ai ramassé dans demandes que m'te fait nous, et mais qui ça problème dans t'ai, mais speaker ça que nous acheté. Donc moi, bah outil histoire ça pour moi montrer moi-même, ça m'a parlé comme problème son, moi connais qui ça problème son en dedans l'église. Et c'est un problème qui pas si spontané poser pour qui ça. Toujours un problème son hein, parce que pas jamais qu'on suivi vraiment qui fait la question son. Pas rien que au fait qu'il l'a de manière définitive. Donc si on achète un système, faut gagner de maintenance qui fait dans système non, faut gagner de bail qui a fait de temps en temps dans système non, faut gagner une bonne gestion de système non pour système non capable bien kembe. Et pas rien qui éternel. Donc faut toujours gagner de notre stratégie. Donc tout à l'heure nous parlons bail de conseil pour question son hein. Mais nous te voulons poser problème son hein. Ou même on va dire la caille ou dans l'église quand on va sévérer, est-ce qu'on estime que problème son ça li poser que li évident. Et son hein, nous capable que son d'une importance capitale. Sont d'une importance capitale. Bien entendu, l'église nous yo de nos jours, surtout en Haïti, pas connait pour l'autre pays. Yo, construction l'église yo mal faite parce que dans un certain sens, le son dans l'église là pas supposé troubler l'autre monde qui aux environs. Ça veut dire depuis dans construction l'église là, tu as supposé gagner un acousticien qui là qui a travaillé de concert avec ingénieur pour permettre que son dans l'église là non seulement capable de répondre, mais li pas déranger moun ki nan entourage nou. Bon, comme en Haïti, yo pas ba nou problème pour ça, donc peut-être que nous porter négligence sur ça, mais son pas ta supposé déranger l'autre moun ki à l'extérieur yo. Donc, son d'une importance capitale pour ça parce que li permet que l'évangile là li propager son moyen que li pour nous capable prêcher l'évangile là. Son. Est-ce qu'on imagine que gen l'église qui gen 2000 monde, gen l'église qui gen 3000 monde, gen l'église qui gen 10000 monde, comment estimer que un prédicateur t'a capable camper du haut de la chair pour que avec voile seulement t'es capable arriver toucher tout monde ça yo. Donc l'étape carrément impossible pour t'arriver toucher tout monde ça yo
avec voile comme ça, si voile pas amplifié, mais le lien est son, hein, ça permet que l'arrivée toucher plus monde beaucoup plus facile. Est-ce qu'on estime que tort que ça fait le en côté par grand son qui répond? Ça pourquoi j'aime arriver au côté culte en tant que meneur de culte ou aller dans une assemblée, soit on invite ou bah une invitation ou aller mener un service ou aller mener un culte quelconque et puis après service ça sans presque pas gain voix encore. Sans c'est pas gain voix pour qui ça parce que pas grand son qui répond avec ça service là que on fait avec tant que on passe à pas grand son qui répond donc obligé à faire des efforts sur code vocal ça qui extrêmement nocif qui vraiment pas bon du tout. Qui capable de réduire dans carrière, etc. Mais puisque vous déjà là, vous déjà invité, donc vous obligé faire des efforts qui pas nécessaires pour te faire si tu as un son qui te répond. Est-ce qu'on estime combien de prédicateurs qui pas qu'à faire une prêche en semaine parce que à cause de son pas gagné, voile fin crasé. Donc problème son, hein, lit extrêmement grave. Et les supposer poser avec beaucoup plus de rigueur que possible. Donc, moi connais, sonorisation, c'est un bagage qui est très très coûteux. Chaque petit appareil, speaker, micro, etc., surtout ça dépend de qualité, ça va l'acheter à, c'est extrêmement coûteux. Mais moi crois que si il y a de vision pour ça, nous sommes capables d'arriver, même si nous pas résoudre le problème à 100%. Mais moi je crois que capable gagner une amélioration qui portait dans question son. Donc ou même si on regarde cette vidéo ça à l'église côté que ou y a confronté un problème son, partager vidéo ça avec fidèle, partager vidéo ça avec pasteur là, avec leader de l'église là, donc peut-être capable gagner une prise de conscience qui prend face avec problème sonorisation ça qui a posé. Donc imagine de nos jours il y a pile l'église qui online qui bail service sur en ligne, qui bail sur YouTube, qui bail service sur Facebook. Donc c'est pas un système de sonorisation qui répond. Donc c'est sûr certain que live Facebook, live YouTube ça qui va faire li a vraiment vraiment de mauvaise qualité parce que son li pas répondre vraiment. Donc moi pas aller dans question décor, je dis à plus aller dans question sonorisation, problème de sonorisation qui posait au niveau de l'église. Donc dans commentaire, dis-moi comment ça est la carou, est-ce que j'ai un problème sonorisation ça dans l'église et nous pas le bail quelques conseils avec ou même peut-être leader ou même comme musicien dans l'église côté que il y a des problèmes sonorisation ou même en tant que meneur de culte le roi mène en service son casse-tête chinois pour parce qu'on connaît gorge roi déchiré parce que pas gagne son vraiment ou du moins ça qui gagne comme son hein, c'est un bail qui sonne dans son boîte allumette que lié donc qui va le cocher oreilles monde donc moi juste bail quelques conseils pour nous capables poser problème ou bien essayer ouais qui solution qui capable porter avec question sonorisation. Premier conseil que nous abaille pour question résoudre problème sonorisation, nous supposer si peut-être l'église qui est à construire, ok, mais si on va construire un espace maintenant pour adorer le Seigneur, on doit penser avec son depuis la construction. D'accord? Pensez avec son depuis la construction. Pas tant si l'église a fini construit qu'on y aura le penser avec sonorisation. Pensez avec sonorisation depuis la construction. Ça veut dire, j'aimerais te dire déjà, ingénieur, même si nous n'avons pas gagné assez moyen pour nous relier un acousticien ou bien bakane, est-ce que gagne de monde vraiment qui spécialise dans le domaine ça qui c'est acousticien. Donc nous capable contacter un monde qui dans domaine là pour nous capable bien depuis dans plan dans façon nous a construire façon nous a placer mur yo etc matériaux que n'a mettre yo parce que ou on va dans l'église qui va le faire son là ingénieur son yo capable témoigner ça ou on va dans l'église va le faire son là ou ka gain matériel mais son pas ka sorti bien à cause de façon l'église a construit de question réverbération qui gagne dans l'église là fait que Jean pousse son ta supposé sortir elle pas qu'à sortir comme ça et problème ça
li pas capable jwenn solution parce que l'église a construit déjà. Donc ça veut dire le premier conseil à mettre en application, c'est penser à question sonorisation depuis même que nous a pensé construction. Donc depuis nous a pensé construction, nous penser à sonorisation et ça a permettre que nous gétant faire un grand pas en avant. Deuxième conseil que nous a bail pour question problème son, c'est penser pour nous former moun dans le domaine sonorisation. Penser pour nous former moun. Peut-être en plus fois dans l'église, peut-être son frère, son frère qui gagne intelligence, qui me pas connaît, qui juste développé, qui gagne sens, c'est lui qui a un bouton mixeur, c'est lui même qui a plugé bagayo. Mais il pas gagne aucune formation en la matière. Il pas gagne aucune formation en la matière. Li ba même connaît rien, li ba connaît sa décibel, li ba connaît qui instrument pour le bay low, qui instrument pour le bay mid, li ba connaît sa mid, li ba connaît sa low, li ba connaît sa high, li ba connaît rien du tout. Li ba connaît les lumières rouges, qu'est-ce que ça veut dire? Li ba connaît lumière rouge, li ba connaît lumière verte, li ba connaît lumière jaune. OK? Donc li ba connaît bagay si la. Li ba connaît comment pour faire un câblage. OK, il pas connait pour faire un câblage parce que pour gagner un son qui réussit, c'est un ensemble de calculs que lié. OK, c'est un ensemble de calculs que lié pour permettre que son est capable réussir. Donc en pile fois, l'église est capable gagner des matériels, c'est vrai, nous capable gagner bon speaker, nous capable gagner mixeur, nous gagner power, nous gagner equalizer, nous gagner crossover, nous gagner tout bagage disponible. Mais quand il y a pendant que tout bagage disponible, faut être capable de gagner y a un monde qui a une connaissance à la matière qui est capable de manœuvrer appareil ça que nous gagnons. Sinon, nous pas jamais gagner un bon son et en plus de ça, nous risquer perdre du matériel ça qui coûtait très cher. D'accord? Nous risquer perdre du matériel ça qui coûtait très cher. Donc, y a un jeune que estimé qui remet le maintenant et ou estimé tout qui gagne aptitude. Gen aptitude pour domaine accepter investir en lui accepter voyer prendre des formations pour que li capable vin utile l'église là le ça la n'a éviter brûler appareil pour grand merci. OK, n'a éviter brûler appareil pour grand merci parce que monde qui a manger appareil li connaît ça la faire li gon connaissance en la matière. Donc, faut que nous acceptions pour nous investir, pour nous chercher, pour nous mettre des ressources humaines pour nous disponibles. Il est nous des ressources humaines tout pour nous gérer les ressources humaines. D'accord? Parce que certaines fois, nous avons des ressources humaines, mais nous ne savons pas comment pour nous gérer les ressources humaines. Fait que les ressources, pendant que nous avons des ressources, nous ne pas gérer bien. Donc, en ce moment que nous cherchons les ressources, que nous ne savons pas encore. Donc ça est extrêmement important. Troisième conseil que nous capable bail pour question problème sonorisation, c'est essayer mettre un fond disponible pour sonorisation. Mettez un fond disponible. Ba connait dans offrande qui a fait l'église là, mettez un fond disponible et permettre que grand monde qui là cap gérer font ça. Par exemple, gen wagon haut-parleur qui besoin ranger, qui besoin rebobiner. Il pas besoin pas le demander un code pour ça. Gon fond qui disponible côté que nous capable aller dans fond ça, nous résoudre problème là. Gen un câble macané, gon fer à souder qui t'ai besoin acheter, gon étain qui t'ai besoin acheter, macané gon câble piano, gon câble guitare, gon câble micro qui t'ai besoin remplacer. Donc nous pas besoin pas le demander un code pour ça, donc gen un fond qui disponible pour capable faire entretien dans système là. Donc puisque gon fond qui disponible chaque fois gon bagay qui manquer équipe qui la commission bien comité qui la qui a géré son a capable toujours prêt pour faire des interventions pour permettre que toute bagay capable avancer bien. Donc yon câble seulement qui pas bien fonctionner capable déranger complètement yon atmosphère yon culte. Donc ça c'est un bagay à prendre vraiment au sérieux parce que un câble seulement capable déranger une atmosphère en culte permettre que peuple bon Dieu qui était connecté et puis soit dit là un câble fait plou et puis tout le monde déconnecté et puis atmosphère là elle est complètement dérangée. Donc ça il est d'une importance
capital. Donc troisième conseil, quatrième conseil avant de finir, c'est gagner une bonne gestion de ça nous gagner comme appareil. Gagner une bonne gestion de ça nous gagner comme appareil et toujours faire maintenance dans yo, OK? Toujours faire maintenance dans yo. Donc ma pour un petit exemple aussi banal, tant qu'on prend micro yo par exemple. Gagner le micro parce qu'on est le monde a chanté. Bon, ça m'a dit aller un peu plaisant, mais ça c'est une réalité. Le monde a chanté, le monde a prêché, a prié. Donc gagner un postillon ou bien c'était capable de dire gagner boulette, gagner crachat qui a tombé dans tête micro yo. Donc certaines fois les têtes micro ça n'ont pas jamais nettoyé yo ou on va été yo cani. Yo kani si et puis si yo pas gagner yo pas gagner anti pop avec dire ti éponge qui se colle sur tête micro yo, l'important c'est ni capable mettre yo, nous mettre yo, sinon tête micro a directement apprend postillon la porte crache à ça yo. Donc sinon pas nettoyer, nous pas ranger, donc li capable gagner de problèmes. Bon, gagne même moun qui kon gagne m'tap suivre en vidéo qui te même parler côté que yo dit que moun qui capable prendre maladie dans tête micro yo. Donc ba parler dans détail ça, mais quand même li existe, li réel, parce que autant de crachat qui a tombé tête micro yo vinn emmagasiné. Donc pas jamais un nettoyage qui fait là-dedans, donc ça capable gagner de conséquences néfastes. Donc juste prendre cet exemple banal ça pour montrer que si pas gain maintenance, pas une bonne gestion, donc ça que nous gagnons, on a perdu. Donc par exemple, quand on arrive dans l'église, ouais, tout piano rete yo pas couvri poussière sous yo. Donc si piano a pas un piano professionnel, il pas un piano qui répond à l'autre des touches yo. Touche yo coulé, yo pa ka jouer, on pa ket note, pa capable jouer, etc. Donc ça yo c'est le bagaille qui rentre dans question gestion appareil yo. Donc ou bien doit gagner un mixeur arrête sans couvrir et regarder tel bouton dans mixeur, tel channel pa jouer, bouton yo red parce que pa gagner aucun monde qui fait cadeau yo, qui couvre yo, qui nettoie yo, qui clean yo dans un certain sens. Donc tout ça on est dans cadre de maintenance qui permet que ça nous gagne comme appareil, nous permet que yo plus durable que possible, yo plus durable que possible. Donc moi crois que conseil ça yo capable aider nous. Donc ou même second conseil que capable porter pour résoudre problème sonorisation dans l'église de Jésus-Christ. Donc là extrêmement important pour capable quitter ça en commentaire, et moi je suis certain que ensemble de conseils ça yo yo a contribué pour permettre que l'église fait du bien, n'est pas fait du bien. Mais en réalité m'a dit un gros son pas forcément veut dire un bon son. D'accord? Un gros son pas forcément veut dire un bon son. Yon son capable gros, capable gagne pile décibel, capable gagne pile volume, mais pour autant c'est pas un bon son. Un bon son c'est avoir devant de clarté qui gagne de façon fréquence yo réparti. Donc tout ça c'est ça qui rentre dans la question de bon son, mais son capable fort, mais pourtant son n'est pas bon. Est-ce que tu as vécu une expérience côté que ou tu gagne un son qui te dérange? Est-ce que tu as vécu expérience ça? Pour finir cette vidéo, ben moi ba ou expérience que moi te vive, m'a présumé expérience ça. J'étais invité dans une croisade, yon l'homme m'a jamais dit expérience ça. C'était une plus mauvaise expérience que m'ai fait. J'étais invité dans une croisade et puis ce jour-là, m'a sorti, moi j'étais là quand même à prier, m'a consacré pour croisade là, etc. Après m'a dit chanter dans croisade là. Il m'a prié le Seigneur pour que l'homme vienne à la repentance, pour que le Seigneur touche des cœurs. Et puis, l'homme est arrivé dans la croisade là, à mon grand étonnement, pas même presque un mégaphone pour monter chanter dans la croisade là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est une mauvaise expérience que moi j'ai vive et que je ne vais jamais oublier jusqu'à jeudi. Si vous avez une mauvaise expérience dans ce qui concerne les sonorisations, soit son musicien, soit son meneur de culte, soit son prédicateur,
Si tu as vécu une mauvaise expérience dans la question de sonorisation, partagez ensemble avec nous. Et si vous avez un conseil à porter pour résoudre le problème de sonorisation dans l'église, là tout, vous pouvez partager ensemble avec nous. Donc, pas oublier de partager la vidéo. Ça. C'est sûr et certain là, utile l'église de Jésus-Christ. Merci à l'adorateur Bertrand Villemort. Moi, je suis content de remarquer ça. Moi, je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo. Ça. Donc, Dieu bénisse.